Vous pensez sans doute qu'il existe déjà beaucoup de livres sur les ateliers d'écriture et sur leurs bénéfices qui sont bien connus maintenant. Mais souvent, ce sont des récits d'expérience ou des recueils de propositions. Et mon projet était très différent. Ma question était comment articuler la création et les apprentissages? Comment améliorer le rapport à l'écrit? Il ne suffit pas de redonner confiance, d'aider à surmonter les peurs. La dynamique suscitée par l'écriture créative peut être transformée en formation. Alors pourquoi? Eh bien parce que, après avoir longtemps travaillé avec des élèves de Seine-Saint-Denis, j'ai rejoint l'enseignement supérieur, j'ai travaillé à Suresnes pour former des enseignants et des éducateurs spécialisés pour le handicap, la grande difficulté scolaire et les prisons, et aussi à Nanterre avec des étudiants en master de linguistique. Dans tous ces lieux, j'ai fait le pari que l'écriture créative pouvait être à la fois un processus de création et d'apprentissage. Mais il ne s'agit pas de dévoyer l'aventure de création en leçon. La priorité, c'est toujours d'inventer la langue, de penser, d'oser dire, de gagner en liberté. Et comme je viens des pédagogies coopératives, je me situe dans une perspective de démocratie d'apprentissage, c'est-à-dire loin de la transmission magistrale traditionnelle. Il manque souvent à ceux qui veulent faire écrire un fil conducteur, une démarche réfléchie pour aller au-delà d'exercices ludiques et de premiers jets, pour étoffer les aspects littéraires et pédagogiques. En mêlant théorie et pratique, le livre montre comment favoriser un travail réflexif, en particulier à trois moments clés que sont la lecture des textes, le brouillon et la révision. Il fournit une démarche expérimentée avec des publics variés, avec des exemples, des outils et des propositions. Il s'adresse aux enseignants, aux travailleurs sociaux, qui savent l'importance du lire et écrire à la fois pour la construction subjective et la relation aux autres. Il s'agit de transformer l'élan de l'écriture créative en tremplin pour la littératie, c'est-à-dire de faire progresser les participants dans leur rapport à l'écrit.